Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir si le marketing de réseau fonctionne réellement ou non. En effet, une technique de vente a le vent en poupe depuis un certain nombre d'années. Il s'agit du marketing de réseau, de la vente multiniveau ou encore du MLM. C'est un secteur récent mais qui promet. Pour preuve, il existe autant de personnes qui sont devenues millionnaires en un clin d'œil grâce à cette activité. La plupart en ont fait leur activité principale par la suite, abandonnant tout le reste. Le marketing de réseau est surtout très connu sur la toile. Il fonctionne souvent par un travail à domicile, ce qui fait que tout le monde peut y prendre part. Néanmoins, plusieurs conditions sont nécessaires afin que le business soit rentable, car oui, il est possible d'avoir une activité rentable dans ce domaine, mais attention, puisqu'il y a des règles importantes à suivre et c'est exactement ce que nous sommes sur le point de voir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur Internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La précision des objectifs. Vous aurez davantage de chances de réussir en marketing de réseau si vous êtes convaincu de la rentabilité de ce travail. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez choisi cette activité et telle entreprise. Est-ce que vous voulez vous enrichir rapidement? Est-ce que vous voulez en faire une source de revenus supplémentaires? Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire partie d'un tel réseau? Voudriez-vous en faire votre activité principale? Soyez le plus précis possible dans vos réponses. Ces dernières feront partie de vos plus grandes sources de motivation. En plus, elles vous permettront de dresser un plan de vos objectifs. Sans ce plan, vos efforts ne seront pas concentrés puisqu'il n'y a pas de but précis à atteindre. Les résultats viendront alors tardivement si jamais ils acceptent de se montrer. Imaginez deux personnes à qui vous ordonnez de vous ramener quelque chose. À la première, vous dites simplement de revenir avec la chose en question et à l'autre, vous expliquez où il va la trouver. Évidemment que ce sera le second qui sera assuré de réussir le challenge ou y arriver rapidement. Comme pour ce dernier cas, soyez plus précis dans ce que pourrait vous apporter cette activité dans la vie. Imaginez en détail, avec des images très nettes, votre but dans quelques mois ou dans un an, voire plus. La confiance, surtout en soi. La confiance en soi est inhérente à tout projet d'investissement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accepter les défaites si jamais le cas se présente. Même en restant positif, vous allez avancer lentement si votre tête est remplie d'incertitudes. Pour y arriver, vous devez augmenter vos valeurs personnelles et vos aptitudes. La motivation ne sert à rien sans avoir des acquis concrets. Vous vous heurterez très vite à la réalité si vous vous obstinez à agir sans les compétences correspondantes. Comme toute technique, ces dernières s'acquièrent par des formations et des expériences réelles. Ne vous forcez pas non plus à tout dominer au premier jour, elles s'affineront au fil du temps. Il faut d'ailleurs reconnaître que dans une entreprise de vente directe par réseau, vous êtes un atout aussi important que le reste. Effectivement, les produits que l'entreprise vend existent sûrement en mieux ailleurs, alors pourquoi les autres accepteraient votre proposition? Aussi, il y aura toujours des entreprises proposant des plans de rémunération plus avantageux que le vôtre, alors pourquoi choisirait-on votre entreprise? C'est bon. Bonsoir et bienvenue à tous à cette énième présentation du processus de duplication qui vous permettra à tous et à chacun de construire son business avec l'entreprise Skyworld Community. C'est possible. Ici, nous construisons une confiance en soi et apportons des méthodes, des tips et des tricks qui vous permettront de construire votre réseau et de construire votre monde meilleur. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du processus d'invitation de vos prospects dans des business, dans votre business, dans le transport à côte, par appel téléphonique et même par contact physique. Eh bien, nous aborderons différents points aujourd'hui, en commençant par les compétences en communication que vous devez avoir, que vous devez développer. L'étiquette du téléphone, nous en parlerons. Établir une relation, questionnement efficace et aussi être à l'écoute de l'interlocuteur. L'invitation personnelle, nous parlerons également des aspects pratiques des appels téléphoniques et de l'argumentation que vous devez être capable de faire.
Eh bien, lors d'une conversation téléphonique avec des clients potentiels, afin de les inviter à un rendez-vous personnel ou au premier webinaire en ligne, il est important de maîtriser trois compétences importantes. Pouvoir établir une relation avec le client lors d'une conversation téléphonique. Il est très important d'attirer l'attention de la personne dès le début de votre appel téléphonique et de maintenir cette attention dès les 5 premières secondes de votre conversation. Il faut être capable de poser efficacement des questions lors de la communication avec le client et de créer une atmosphère d'importance, d'urgence de la réponse du client avec vous. Il faut être capable d'écouter. N'oubliez pas d'écouter le client et de parler moins sans l'interrompre ni lui faire pression. Nous utilisons un langage positif. Si nous voulons atteindre les résultats souhaités et attendus, il est important d'être toujours positif. Prononcez les mots correctement. Si nous voulons atteindre nos objectifs lors des appels téléphoniques, alors il faut être capable de prononcer les mots correctement. Lors d'une réunion personnelle, vous menez également une conversation en fournissant la puissance de vos arguments. Vous devez donc parler clairement. Exprimez vos pensées de manière articulée. OK? S'exprimer. Nous pouvons apprendre à s'exprimer. C'est bien possible. J'apprendrai régulièrement quelques mots et quelques phrases de mon entreprise, comme les phrases concernant le transport à cordes, les différents types de modèles, les caractéristiques, la vitesse maximale atteinte et tout. Je suivrai les managers qui réussissent dans notre entreprise. Regardez au-dessus de vous, vous avez des uplines. Regardez à côté, vous avez des crosslines qui réussissent également dans ce business. Regardez comment ils font. Et faites exactement ce qu'ils font. Assistez à plusieurs conférences et plusieurs autres réunions et séminaires Skyway. Nous parlions donc du langage positif qui est très important pour vous. La question qu'il faut se poser est l'une des meilleures techniques de communication. Vous verrez plus tard. Il s'agit ici des questions qu'il faut poser à la personne que vous avez en face. Les règles les plus importantes d'une bonne éthique téléphonique. Le meilleur conseil pour établir un rapport avec un interlocuteur au téléphone, c'est, notez-le, le rapport est un état de connexion et de confiance communicative au début. Le manque ou l'absence de rapport peut affecter fondamentalement le résultat de toute conversation. Cela signifie créer un état confortable où toutes les parties conversent librement et confortablement. Dans la première étape, il faudrait savoir établir ce rapport. Et l'un des conseils que je peux vous donner pour établir ce rapport, c'est de vous dire « Je te comprends. » Ce que je veux te donner, c'est quelque chose qui va t'aider à devenir meilleur, qui va t'aider à réaliser tes rêves. Voilà l'idée que vous devrez avoir en permanence, avant même de dire « allô » à votre interlocuteur. Ainsi, le rapport viendra tout seul. Je suis sûr que vous finirez par trouver les mots qu'il faut. Commencez l'appel avec un sourire. Un sourire se fait entendre et une voix souriante est plus accueillante et relaxante. C'est clair. Votre client l'appréciera inconsciemment et vous aimera. Commencez la conversation par une question simple qui fera savoir à votre interlocuteur que vous êtes un humain. Exemple, comment se passe votre journée jusqu'à présent?
Voilà une question simple. Répondre à leur question par une réponse positive. Utilisez des mots que votre interlocuteur utilise. Pour établir un rapport, un bon rapport, utilisez les mêmes mots que votre interlocuteur utilise dans une situation appropriée à tout moment pertinent. Faites preuve d'empathie envers votre interlocuteur. L'empathie peut être démontrée en utilisant des phrases telles que « Je comprends ce que vous voulez dire. Cela a dû vous faire du bien. Je comprends pourquoi vous pensez ainsi. » Voilà un peu quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser pour montrer à votre interlocuteur que vous le comprenez. Ajustez votre vitesse de parole à la vitesse de parole des clients. Donc, si le client parle lentement, vous devez ralentir la vitesse de votre conversation en ajustant votre vitesse de parole à la sienne. Démontrez des points communs à votre interlocuteur. Les gens aiment les gens qui sont comme eux, c'est clair. Donc, si vous voulez établir des relations, vous devez démontrer des points communs. Nous venons du même endroit. Avant, je vous comprends parce que moi aussi j'étais comme ça avant et voici ce que j'ai compris en utilisant grâce à ce système, grâce à ce business et tout. Voilà quelques paroles qui montrent que vous avez des points communs, mais vous pouvez amener ainsi votre interlocuteur à vous écouter. Rendez votre état d'esprit plus flexible. Ne soyez pas bloqué. Prenez des notes sur certaines. Prenez des notes sur certaines des caractéristiques personnelles des situations et plusieurs autres éléments de votre client. Ces notes pourraient vous aider dans la conversation lors de la rencontre avec votre client. On parle de la rencontre physique, bien évidemment. Eh bien, l'étiquette téléphonique vous aide à atteindre vos objectifs. Il n'est pas nécessaire de le suivre exactement par mot. Il est juste là pour vous rappeler ce que vous voulez dire au cas où vous auriez des blocages dans votre façon de vous exprimer. D'accord? Donc, il faut créer un petit script, mais il ne faut pas vous attacher à ce script comme si sans lui vous êtes perdu. Il le ressentira, votre client. Il vous permet, ce script, de rester concentré sur le résultat que vous devriez obtenir de l'appel. Parlez lentement et clairement. C'est normal d'être un peu nerveux. C'est normal. Assurez-vous juste de ne pas trop répéter si vous finissez par parler comme un robot. Soyez prêt à vous faire dire non. Ou non, merci. Pour dire la vérité, parfois la réponse pourrait être encore plus grossière. Mais ne vous laissez pas contrarier. Laissez tomber. Remerciez la personne d'avoir pris le temps. Et restez avec une nouvelle personne. Les appels téléphoniques nécessitent beaucoup de persévérance pour produire de bons résultats. Honnêtement, il est peut-être, je veux dire, ils peuvent répondre encore plus grossièrement, mais cela ne doit pas vous énerver, non. Tout le monde ne comprendra pas les opportunités d'une autre entreprise. Tout le monde ne peut pas la comprendre. Ce n'est pas grave. Cependant, dites au revoir à la personne et remerciez-la d'avoir pris le temps de vous écouter. À la fin, vous pouvez dire « Oui, monsieur ou madame, vous avez probablement raison. Ce métier n'est pas pour tout le monde. » Pour obtenir de bons résultats, les appels téléphoniques doivent être pratiqués avec une grande persévérance.
Terminez toujours poliment un appel, toujours. C'est un secret. Que vous obteniez ou non ce que vous vouliez, remerciez toujours la personne de l'autre côté pour son temps. Merci pour votre temps. Passez une belle journée. Voilà un exemple de phrase que vous pouvez lui dire. Prenez toujours des mesures de suivi après vos appels. Si vous dites que vous allez envoyer du matériel, envoyez-le. Idéalement, envoyez-le après avoir raccroché. Donc, vous causez avec un prospect. OK? Et après, vous lui dites, je vous enverrai des vidéos ou bien du matériel qui vous permet ou des liens internet qui vous permettront de mieux comprendre et de mieux saisir le business que je suis en train de vous présenter. Après avoir accouché, faites-le. Tenez votre parole. Si vous avez l'adresse email de la personne à qui vous voulez parler, à qui vous avez parlé autant pour moi, envoyez-lui une lettre de remerciement. Remerciez-la encore pour son temps et joignez une vidéo de motivation ou un lien vers un bon article sur la technologie. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Cela peut prendre un peu de temps avant de se sentir à l'aise pour passer les appels téléphoniques professionnels, n'oubliez pas. La pire chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un vous dise non et c'est tout. Vous passez au suivant. Après l'avoir remercié pour son temps. N'oubliez pas, la pratique rend parfait. Il faudra du temps pour gagner en confiance. Rassurez-vous, ça viendra avec l'exercice. Mais bientôt, vous découvrirez que vous commencez à apprécier la conversation avec le client personnel. Questionnement efficace. Quelques questionnements qui sont bons à être posés. Qui, quand, où, pourquoi, comment. Poser les bonnes questions est la clé pour obtenir les bonnes réponses. La première chose à faire est de créer une relation. Certains clients peuvent mettre fin à l'appel rapidement et vous en parleront tout de suite, tandis que d'autres préféreront continuer à parler. Pourquoi cette différence? C'est à cause du rapport que vous avez établi dès le départ. Reflétez le ton du client. Les questions ouvertes donnent des informations. Les questions fermées donnent des confirmations. Posez une combinaison de questions ouvertes et fermées. C'est la clé du succès. Posez des questions ouvertes. Poser une telle question amènera votre interlocuteur à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour approfondir la conversation. Que pensez-vous de... Il existe plusieurs variantes de questions ouvertes, mais toutes visent à soutenir et à animer le dialogue. Que pensez-vous du transport à corde? Que pensez-vous d'un nouveau système de transport qui arrive et qui vient changer l'image du transport moderne actuel? Que pensez-vous du système de transport actuel? Pensez-vous qu'il y ait et puisse avoir mieux? Pensez-vous que vous pouvez rejoindre ce type de projet? Quelques questions juste pour aider. La tâche des questions ouvertes est de maintenir le dialogue. N'oubliez pas cela. Vous pouvez poser vos questions à un client potentiel. Une question qui commence par quelque chose comme ça. Que pensez-vous de... Ou bien comment... Aimez-vous? Quelle est votre opinion en ce qui concerne? Pendant la réponse du client, vous pouvez réfléchir à la manière dont vous allez poursuivre votre conversation. C'est ainsi que le dialogue va s'établir petit à petit. Posez des questions d'approfondissement aussi. Ces questions vous permettront d'approfondir les réponses du client. Les questions d'approfondissement exigent que les individus élabore sur la réponse donnée à une question précédente. De telles questions indiquent à l'interlocuteur que la réponse initiale allait dans la bonne direction. Mais
pas tout à fait complète ou adéquate. Des questions d'approfondissement. Des questions d'approfondissement sont posées pour aider une personne à approfondir le problème. Ensuite, il faut poser les questions finales. Ces questions vous permettent de vous assurer que vous et votre client, vous êtes bien compris. Ces questions confirment en fait cette situation sur laquelle vous vous êtes mis d'accord avec le client potentiel. Il y a des questions de pré-clôture. Avant de clôturer la conversation, vous pouvez poser la question de savoir, par exemple, comprenez-vous tout ce dont je parle? J'aimerais prendre cette confirmation de votre part pour que je sache que vous êtes sur la bonne voie dans notre conversation. J'aimerais entendre cette confirmation. Okay? J'aimerais entendre cette confirmation de votre part pour que je sache que vous comprenez tout correctement. Il y a aussi des conversations d'appui. Pouvez-vous me dire, le décrivez-vous plus en détail? Je serai reconnaissant si vous m'expliquez. Ceci, c'est lorsque le client potentiel vous parle de ses impressions et aussi vous avez envie de savoir quelle est sa position, son point de vue par rapport à une situation donnée. Alors, pouvez-vous me dire le genre de business qui vous intéresse? Pouvez-vous décrire plus en détail vos attentes par rapport à ce business que je suis en train de vous présenter? Voilà quelques suggestions que vous pouvez ajouter à votre conversation. Une autre méthode d'appui, de soutien, c'est les questions suivantes. Pouvez-vous me dire comment cette situation vous affecte? Si vous parlez, par exemple, d'une situation d'escroquerie ou de scam qu'il a vécu avant, veuillez décrire ce qui vous motive à faire votre travail. Pouvez-vous expliquer ce qui a causé cette situation? Pourriez-vous partager le genre de difficultés que vous avez traversées? Veuillez décrire ce que vous en avez ressenti. Je me demande quel est votre résultat idéal. Le point clé de tout ceci, c'est l'écoute. N'oubliez jamais cela. La clé d'un questionnement efficace est d'écouter simplement pour que vous ayez le temps de formuler ce que pourrait être votre prochaine question. Soyez énergétique, enthousiaste et utilisez des mots positifs. Ne lisez pas le script préparé, soyez un professionnel. Mettez-vous à la place du client. Pensez à la situation selon leur point de vue. Eh bien, ne vous laissez pas distraire par des collègues ou des bruits extérieurs. Écoutez l'émotion dans la voix de votre client. Lorsqu'un client semble contrarié ou frustré, utilisez l'empathie. N'interrompez pas. N'oubliez pas de laisser le client finir ce qu'il dit. Les interrompre peuvent casser leur train. Récapitulez les faits saillants. Partagez avec le client le résultat de la conversation pour vérifier que vous avez correctement entendu les faits clés et le contenu. Vous pourriez commencer par la phrase suivante. Ce que j'entends, c'est un stylo et du papier à portée de main. Ayez un stylo et du papier à portée de main. Prenez l'habitude de faire de courtes références très rapides. Répétez-le. Il est préférable de répéter les mots-clés. Soyez conscient des obstacles à l'écoute.
Nous pensons que nous avons raison et que l'autre personne a tort. Nous préférons parler plutôt que d'écouter. N'oubliez pas de continuer à pratiquer ainsi chaque jour et vous verrez des résultats. Les invitations personnelles. Eh bien, pour faire des invitations personnelles, voici quelques exemples que je partage avec vous. Tout d'abord, vous pouvez commencer par exemple par « Bonjour, je travaille pour la société internationale Skyworld Community. Nous traitons du futur système de transport au deuxième niveau. Et aujourd'hui, nous aurons une présentation de notre entreprise. Donc, j'apprécierai vraiment votre avis sur le sujet. » Ou bien, vous pouvez encore aborder la chose de cette façon. Pourriez-vous trouver une demi-heure pour un webinaire? Il se terminera à... J'appellerai après pour savoir ce que vous pensez du projet. Donc voilà, vous placez comme quelqu'un qui a besoin de l'avis de la personne qui est en face de vous. Je suis vraiment heureux que nous nous soyons rencontrés après nous être perdus de vue pendant un bon moment. Nous allons être en contact. Passez un appel téléphonique. Il est très important d'attirer l'attention du client au début de votre appel téléphonique. Vous devriez attirer son attention dans les 3 premières secondes. C'est une partie qui s'acquiert avec la pratique. Un appel téléphonique à un ami à inviter à un webinaire. Un appel téléphonique à votre ami. Salut Jane. Peux-tu parler? Comment tu vas? Je travaille pour une entreprise internationale depuis un certain temps et aujourd'hui, à 20h, l'un de nos directeurs animera un séminaire en ligne. Pourrez-vous trouver une demi-heure pour assister à ce webinaire? S'il vous plaît, j'aimerais vraiment connaître votre opinion par rapport à cette entreprise, par rapport aux produits que nous fabriquons ou que nous commercialisons. C'est à propos de quoi? Il s'agit du système de transport à cordes. Un système de transport qui se déplace sur des rails à cordes à haute résistance au-dessus du sol. C'est un transport de deuxième niveau. Et après le webinaire, vous serez plus informé. Vous saurez ce qu'il en est. J'espère que vous trouverez une demi-heure pour moi. Je vous appellerai après le webinaire car je suis très intéressé par votre opinion concernant ce projet. Un appel téléphonique pour faire une offre, une invitation ou un rendez-vous. Voici comment vous pouvez le formuler. Bonjour, Monsieur Novak. Je ne voudrais pas vous déranger, mais si vous avez 3 minutes, j'expliquerai la raison pour laquelle je vous appelle. Notre spécialisation est le système de transport le plus récent. Nous traitons d'un projet spécial qui est absolument innovant et j'aimerais vraiment connaître votre opinion. Le projet a bien démarré et je serais désolé pour ne pas vous avoir parlé de ses avantages. Je ne sais pas encore si le projet est aussi pour vous. C'est pourquoi j'appelle pour le savoir. Voilà une autre façon de pouvoir aborder. Un appel téléphonique pour faire une offre, invitation à une réunion. Voici un deuxième exemple. Bonjour, je fais appel à la recommandation de monsieur, votre collègue, qui m'a dit que vous êtes assez expérimenté. C'est clair qu'il faudra donner le nom du collègue en question, qui m'a dit que vous êtes assez expérimenté et apte à l'entreprise que nous sommes en train de démarrer. J'aimerais connaître votre avis. Puis-je vous demander un rendez-vous? J'ai du temps libre demain à 18h ou vendredi 17h. Quelle heure vous convient le mieux? Des questions. Pourrions-nous nous rencontrer? Quel type de système de transport utilisez-vous le plus de tout ce qui existe? Avez-vous déjà entendu parler du système de transport de deuxième niveau? Saviez-vous que vous pouvez également participer au projet de transport Skyway?
Je pense que le meilleur résultat de notre conversation téléphonique serait de nous rencontrer en personne. Qu'en pensez-vous? Voilà quelques questions que vous pouvez poser. Et aussi, comment est-ce que vous pouvez argumenter? De quoi s'agit-il? À cette question, vous pouvez dire, j'ai des informations très spéciales, en fait, uniques. Ces informations sont vraiment précieuses et pour les découvrir, il vous suffit de vous asseoir et de parler. Quel jour vous convient le mieux, lundi ou mardi? Il s'agit d'avantages professionnels et financiers. Au cours de la discussion personnelle, je voudrais vous montrer quels matériaux résumer les options qui émergent de tout cela. Est-ce acceptable pour vous? Voilà comment vous pouvez répondre à cette question de quoi il s'agit. Peut-être quelqu'un pourra vous dire, je ne suis pas intéressé par votre projet. Eh bien, voici ce que vous pouvez lui dire aussi. Je vous comprends. J'ai l'impression que vous n'avez pas assez d'informations. Donc, cette réaction est assez fréquente. Les autres ont une attitude similaire. Mais, après avoir découvert que c'est un projet très intéressant, ils peuvent utiliser cette information à leur avantage. Ne pensez-vous pas que c'est juste du bon sens de prendre des décisions après avoir eu des informations adéquates? Ou pensez-vous toujours que vous pouvez décider de ne pas avoir d'informations si tôt? Alors, pourrions-nous nous rencontrer en personne? Voici quelques phrases d'aide aussi. Afin de mieux montrer vos chances et vos choix, nous ferions mieux de nous rencontrer en personne. Qu'en pensez-vous? Nous ne pouvons pas décrire et discuter de tous les avantages du rapport par rapport au téléphone, car je dois vous montrer un bref matériel. Une conversation vaut toujours la peine car vous obtenez des informations précieuses et vous apporteront des bénéfices. Ces informations-là vous apporteront des bénéfices. Je voudrais vous présenter notre projet. Vous pourriez décider après notre conversation si vous seriez intéressé à faire d'autres démarches. Est-ce que tout cela est assez important pour vous? Donc voilà un peu quelques approches que vous pouvez avoir, d'accord? Eh bien, comme l'a dit Paul J. Meyer, la communication, le lien humain, c'est la clé du succès personnel et professionnel. Maintenant, nous parlons de l'entrevue d'affaires. Maintenant, nous parlons donc de l'entrevue d'affaires, un rendez-vous physique avec la personne, avec vos prospects. Nous parlerons des éléments fondamentaux pour convaincre efficacement et éthiquement d'autres personnes à acheter. De quoi avez-vous besoin pour démarrer un entretien d'embauche? Un logo style utilisant tous vos instruments avec le logo Skywalk Community, un joli stylo, de nouvelles choses sur le projet de transport, sans questions et réponses, un catalogue promotionnel Skyway, un catalogue que je peux laisser au client et le package d'investissement imprimé aussi, un PC et ou un téléphone, ça peut faire affaire. La possibilité de présenter avec des documents imprimés se pose à vous. Présentation informatique, utiliser une vidéo ou bien une réunion en ligne par Skype. Qu'est-ce qui est crucial dans les premières minutes de toute interaction commerciale? N'oubliez pas, ne parlez pas de vous, ne parlez pas de vos produits, ne parlez pas de vos services. Comprenez les besoins de votre interlocuteur. Les gens prennent des décisions émotionnellement. Ils décident en fonction d'un sentiment, d'un besoin ou d'une émotion, pas par pensée logique du processus, non. C'est pourquoi les avantages intangibles sont les clés à persuader. Les gens justifient leurs décisions par des faits. Il veut la voiture parce que elle lui a fait du bien. C'est un exemple. Mais il ne l'achète pas lorsqu'il peut justifier rationnellement l'achat. Non, pas du tout. Les gens sont égocentriques, s'il faut le dire ainsi. Nous voyons tout le monde en fonction de la manière dont il nous concerne personnellement. À un niveau plus profond, la question pourrait être: comment cela me donne un sentiment de valeur personnelle? Personne ne se soucie de savoir à quel point tu es formidable jusqu'à ce qu'ils comprennent à quel point tu penses qu'ils le sont. La plupart des gens suivent la foule.
La plupart d'entre nous sommes des imitateurs. Nous nous tournons vers les autres pour obtenir des conseils, surtout lorsque nous ne sommes pas sûrs de quelque chose. Nous demandons qu'est-ce que les autres en pensent, que ressentent-ils, que font-ils. Grand avantage de savoir non seulement que les gens font, mais aussi pourquoi ils le font. Faites attention à votre apparence. Montrons-nous un peu plus de respect les uns envers les autres et envers nous-mêmes. N'oubliez pas que vous obtenez ce pourquoi vous vous habillez. Alors, habillez-vous pour réussir. Ne jugez pas. Je sais, c'est difficile, mais on ne peut pas juger un livre à sa couverture ou des clients à leurs vêtements. Lorsque nous essayons de décider qui vaut nos efforts et qui ne les vaut pas, nous commettons souvent de grosses erreurs. Cette étape pour réussir sa vente. Eh bien, montrez à votre client que l'investissement dans Skyway est intelligent et significatif. Premier élément. Parlez à votre client de certainties. OK? Parlez-lui des choses certaines. Comment le client peut-il acheter des actions en toute sécurité? Voilà le genre de sujet qu'il faut aborder avec lui. Poser des questions sur des besoins du client. Découvrir ce qu'il veut vraiment. Résumez plusieurs avantages des forfaits et décrivez votre vision du business de Skyway. Et posez une question. Est-ce intéressant pour vous? Quelle possibilité vous convient le mieux? Le plan d'épargne ou investissement direct? Interrogatoire de clôture. Découvrez les possibilités financières de votre client. Clarifiez l'importance de l'étape actuelle. Décrivez les étapes de l'inscription. Eh bien, voilà comment il faudra débuter, tout simplement. Et pendant l'entrevue d'affaires, un principe clair à respecter. Il faut être court, clair et avoir un résumé de ce que vous voulez dire. Dans le cadre, il faut une introduction suivie d'une phase de contact qui donne les premières impressions et qui glace la rupture. OK? Connaître les besoins de votre client par des questions, proposer une solution, traiter des objections avec votre argumentation, satisfaction des besoins et du client. On a vu les argumentations précédemment. Appliquer des techniques de clôture, résumé des faits, clés, clarification, accord, enregistrer un client, conclusion, service, opération, utiliser des outils et du matériel du marketing à votre disposition. Les techniques de fermeture. Chaque entretien de vente mène à la prise de décision de votre client. N'ayez pas peur d'offrir des affaires. Celui qui ne demandera pas de coopération ne réussira pas. Question directe. Vérification de l'intérêt du client. Vous aimez notre projet? Allons-nous faire une inscription? De quelle manière allons-nous commencer à coopérer? Voilà quelques questions que vous pouvez aussi poser. Des questions directes. Oui, il y a aussi des questions alternatives que vous pouvez poser. Lorsque vous demandez deux options, la réponse sera principalement oui. Allons-nous nous mettre d'accord sur un plan d'épargne ou un investissement direct? Devons-nous d'abord procéder à l'enregistrement ou dois-je vous aider avec le règlement? Il y a d'autres questions affirmatives. Après chaque question, demandez le oui du client. Si je me souviens bien, vous avez aimé cette option. Est-ce bien ça? Êtes-vous d'accord avec? Est-ce que est mieux pour vous? Oui. Avez-vous vu les avantages de? Oui. Alors, enfin, pouvez-vous investir ou allons-nous procéder à une inscription? Oui. Le oui sortira plus facilement. Quelques techniques de Benjamin Franklin là-dessus. Prenez un morceau de papier blanc et divisez-le en deux parties. D'un côté, notez les avantages et de l'autre, laissez votre client noter les inconvénients. Vos avantages décrits seront toujours plus nombreux que les inconvénients du client, rassurez-vous. Au bout d'un certain moment, arrêtez le client et comptez les articles des deux côtés en comparant le nombre. Cela devrait être un signal pour la prise de décision claire. Il verra que les avantages pèsent beaucoup plus lourd que les inconvénients. Il faudrait des éléments de comparaison. Comparez notre produit d'investissement avec les produits et opportunités d'autres entreprises. Mettez en avant nos atouts. Vendre avec des questions, pas des réponses. Se retenir d'animer un séminaire de 3 heures sur les produits, non. Posez des questions claires, précises et concises. Les histoires personnelles sont un vrai piment pour votre argumentation. Donc, vous pouvez raconter un peu votre histoire, comment vous avez connu le projet. Des réponses positives de votre influence client, l'entourage du client et ses émotions. N'hésitez pas à poser vos questions au client. On revient encore là-dessus.
La plupart des vendeurs sont tellement préoccupés par ce qu'ils vont dire ensuite qu'ils oublient qu'un autre être humain est impliqué dans la conversation. L'empathie, c'est l'indice qui fait tout. Comme l'a dit Harry F. Banks, un vendeur sans enthousiasme n'est qu'un commis de plus. Alors, je vous dis merci, merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre webinaire de duplication où nous parlerons d'un autre aspect de la duplication pour vous aider encore mieux à construire votre entreprise. Alors, je vous dis ciao et bonne soirée.